Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Resident Evil 4, chapitre 4-3 normalement je crois bien. Si je me rappelle bien c'est chapitre 4-3, donc du coup on va se faire ça tout de suite. C'est parti, on est chaud. Et donc du coup normalement, là, on est là, ok, on va juste, voilà, on va refaire ce qu'on a fait la dernière fois. Voilà, on va prendre ça. Voilà, donc normalement, comme la dernière fois, il nous en manque juste un seul, voilà. Ok, donc juste, on va... Welcome. Normalement, là, on fait le train, je crois, ouais, dans la mine, tout ça, là. On va faire la mine, et du coup, bah, ça va être un petit endroit pas mal. Puis après, on va rentrer dans le château et tout, enfin bon, truc de fou, quoi. Alors, on améliore la puissance de feu, voilà, que ça allait maxer. Et puis la contenance, on l'améliorera dès qu'on aura utilisé nos balles. Voilà, alors juste toi, bah, t'as rien besoin, ok. Toi, je vais améliorer ta puissance et ta contenance. Ok, je crois qu'on était à 4 balles, je crois, entre un genre. Ah, donc du coup, ça nous fait gagner pas mal de balles. Et je vais améliorer, parce qu'on était aussi pas très loin. Ok. On a une trentaine de balles, on avait avec elle, donc du coup, voilà, ça nous permet de gagner quand même pas mal de balles. Ok, alors juste... Non, attends. Deux secondes. Voilà, nickel. Donc, voilà, donc, elle, on a gagné pas mal de balles. Elle, lui aussi. Ouais, ça devrait le faire, normalement. Bon, c'est un peu le bordel dans tout le truc, là. Mais comment dire que j'ai la flemme de ranger. Alors, si je me rappelle bien, la dernière fois, on avait pas mal de choses à vendre et on a gagné un peu plus de 100 000, je crois. Et, ce qui était relativement pas mal. Ah, merde, attends. Donc, vous avez vu, là 25 000 et 13 000, si on les met pas ensemble, donc ce qui fait 38 000. Et si on les met ensemble, donc du coup ça donne quoi? Attends, c'est où? C'est là. Combiné, voilà. Donc si on les met ensemble, arrête tes conneries. Ok. C'est long de naviguer dans tout ça, hein. C'est un truc de fou. Donc si on les met ensemble, ça fait 48 000, donc tu gagnes 10 000 quand même juste pour les avoir mis ensemble, pour les avoir combinés. Tu gagnes quand même 10 000, c'est plutôt pas mal. Ouais, on vend tout ça, c'est parti. Donc ça, on en a plus besoin, parce qu'on a déjà utilisé les deux qu'on avait. Ok. Ok. Ah, Spinel. Non, pas les herbes rouges, je dis la merde. Ok, voilà, donc on a gagné environ 100 000, hein, ce qui est relativement pas mal. Et après, est-ce qu'on a... Ouais, on a deux munitions de fusil à pompe qu'on va vendre tout de suite. Ok, bah nickel. Alors juste là, acheter quoi? Ouais, rien du tout, de toute façon, je sais même pas pourquoi je vais là. Là, comme d'hab, ok, nickel. Bon. Ouais. Pourtant, j'en suis sûr que... Ouais. Voilà. Ok. Vous avez vu, là, c'est le château, là. Attends. Hop. Donc là, c'est le château. Bon, comme ça, on dirait une image 2D, mais bon, faut pas juger. Ok, alors toi, juste... Voilà, nickel. Franchement, on dirait pas une image 2D, là. Salut, comment vous allez? Vous êtes des copains? Ah bah non. Vas-y, mais... Mais tire sur lui, là. Qu'est-ce qu'on s'en fout de suite derrière? Putain, c'est pas possible ça. Toi aussi tu fais de la merde. Ok, nickel. Allez, vas-y, prends les sous, prends les munitions. Non, y'a rien du tout. Bon, ok, c'est parfait. Ouais. Attends. Prends-le, voilà. Ouais. Ok. Bon, je connais pas trop l'endroit, hein. C'est vite fait. Jamais vraiment intéressé à cet endroit. Alors juste... Ouais. Je sais pas si je fonce dans le tas ou si je les fais venir. Attendez. Ouais, on va les faire venir. On économise un peu des balles. Voilà. Parce que normalement, je crois qu'on fait le train. On vient ici. On monte là-haut, là. Et puis je crois qu'après, c'est fini, quoi. Donc c'est pour ça, donc. Ouais, si. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Voir ça, c'est juste la sauvegarde. Putain, je sais même plus, ouais, c'est un truc de fou, je sais plus du tout.
Ah bon, le train est quand même assez long, ça va. Mais bon. Pas non plus énormément long, quoi. Ok. On se fait pas chier, hein. Non, pas du tout. Au moins, on est safe. On les tue petit à petit. Putain, il y a trop de monde. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Puis on va descendre en bas. Normalement, c'est censé le faire tomber, mais c'est pas grave. Alors, juste. Voilà. Ok. Et bah voilà, nickel. Un coup de couteau chacun. Voilà, tout le monde y trouve son compte. C'est parfait. Alors juste, voilà, on va prendre ce qu'il y a là quand même. Voilà. Alors toi, hop. Ok. Ouais. Bon. Du coup on va, attends juste, on va prendre ça. Hop. Ok, putain, une grenade aveuglante, c'est pas mal ça. Ok, donc du coup on va ouvrir le... Attendez, hop, on va ouvrir le sol. Et on va aller dans la mine. Voilà, donc c'est parti. On pivote tout ça. Voilà. Ok, bah nickel. Juste, y'a pas quelque chose là, non? Ok, non, c'est bon. Ok, nickel. Du coup, toi, non moi, ouais voilà c'est bon, ok, j'ai failli pas le voir, voilà, parce qu'il me semblait bien qu'il y avait quelque chose sur les coins comme ça, il fallait que je fasse attention, voilà, pareil pour là, ah mais rien du tout là-dedans quoi. Alors juste là, il y a un truc qui nous font, attends, je croyais qu'on le voyait, c'est pour ça, il y a un truc qui nous fait chier ici, mais bon, on va s'en débarrasser, hein. Alors juste, on va essayer de pas tirer. Quoi ? Mais j'ai pas tiré ? Ouais, trop bizarre. Bon. Ah mais attends, mais je crois qu'il y en a deux. Eh, je crois bien qu'il y en a deux en fait. Ah, mais c'est la merde. Quoi ? Mais vas-y là, c'est pas... Eh, mais niquez vorace, mais un truc de fou. Putain, c'est fou, toi, hein. Ah, hallucinant ça. C'est des bêtes là. Oh. Bon, pour l'instant, il a pas l'air de vouloir venir. Qu'est-ce que tu veux toi? Non mais t'es sérieux, il m'a touché. Mais t'es sérieux, putain, c'est pas vrai. Et l'esquive, tu connais l'esquive, tête de con, va. Putain, mais d'où il m'a touché? Il m'a rien touché du tout. Putain, ça me souffle ça. Ouais. Vas-y, je fais n'importe quoi. Ok. C'est quoi, tu vas me saouler, toi? Et on va pas se faire chier bien longtemps, mon petit gars. C'est moi qui te le dis. Et là, vous voyez, il est là-haut, là. Et il nous fixe des yeux et tout. Bon. Ok, nickel. Alors juste, je pense qu'on va utiliser du magnum un peu. Pas maintenant, hein, mais pour tout à l'heure. On va utiliser du magnum, vu qu'on peut racheter des balles après. Alors juste... Ouais, non, normalement il y a quelque chose ici, je crois, mais... Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, ça doit être de l'autre côté. Eh merde, mais comme un con, moi je vais dessus. Hein. Comme un con. Attends, juste, je sais même pas pourquoi j'ai le sniper. On va prendre le pistolet. Ok, nickel. Putain, mais... Oh. C'est bien ce qui me semblait, c'était de l'autre côté. Voilà, donc on va prendre le diamant. Voilà. Ok, nickel. Donc du coup, on va ouvrir ça et puis on va prendre le bâton royal. Pour pouvoir le vendre, tout simplement. Voilà. On va le vendre, comme ça on va se faire un peu des sous. Malgré qu'on en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais bon, on en veut toujours plus, on est comme ça. Ok, alors juste, viens là, voilà, nickel. Ok, nickel. Ouais, on va se faire chier longtemps, putain. Vas-y, ça me saoule, il y a trop de pièges.
c'est waouh. Car juste, si je pouvais descendre mon petit, ça m'arrangerait tellement. Ok, en fait, tu sais que t'as l'air d'un débile comme ça. Voilà. Non, je dis ça comme ça après. Vas-y, viens. Viens. Ah non, tu préfères faire le débile. Ok, non mais pas de soucis. Je comprends ton point de vue. Je comprends parfaitement. Alors juste toi. Voilà, nickel. C'est bien pratique comme ça. Hein. Normalement, c'est quand tu descends en bas. Ouais, mais il doit y en avoir deux. Moi je dis il y en a deux. Je crois qu'en normal il y en a deux. Parce que normalement, c'est quand on ouvre la porte. D'accord, c'est quand on ouvre la porte là-bas au fond là. Et ben il y en a un en bas et tout, donc il doit y en avoir deux, je pense. Hop, voilà. Allez, allez, allez. Il est très lent, il est très lent. Il est même extrêmement lent. Et ben voilà. Juste on va passer par là. Salut, comment tu vas? Moi perso ça va, tranquille, le taf et tout, nickel. Hop là, t'as rien compris à ta vie là, hein? Tête de con. Hein. Pour eux franchement le meilleur c'est le fusil à pompe, hein. Franchement c'est nickel. T'as vu mais le gars il se fait shooter, il comprend rien de ça. Voilà, nickel. Salut, comment tu vas? Moi perso ça va et tout. Putain, j'ai eu les deux. Ok, hop, on se calme. T'arrêtes de gueuler, toi, là. Espèce de folle. Non, je me fais pas mal. Putain, c'est pas bien, ça, hein. Même mes grenades, elles font moins mal. Oh, j'en suis calme. Quoi, je suis en train d'ouvrir la porte, c'est quoi ce délire, là? Putain, j'ai jamais vu ça, quoi. Wow, un peu de tolérance. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu t'es du piqué ou quoi? Ok, on se calme, on fait le tour. Quoi, je suis pas un imbécile, qu'est-ce que tu dis, toi? Ouais, casse-toi. Trop de monde, quoi. Merde. Voilà, nickel. Ah merde! Ah, c'est pas possible! Arrête! C'est un truc de fou quand il peut faire chier des fois! Hein. Alors, mais t'es sérieux là? Bon, à la limite ça nous sert plus vraiment! Hop! Voilà! Ah ouais, attends, je vais pas me faire chier là! Utiliser je sais pas combien de balles de pistolet là! Ok, bah c'est nickel tout ça, dis donc! Toi, tu n'en as pas rien, nickel. Puis on monte en haut, puis on récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Hein. Putain, du coup, on n'a pas eu les sous, quoi. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas 10 000 qui va nous gêner. Ok, c'est bien si vous en avez qu'il y avait une tente jaune. On va utiliser direct. Attends, viens là, toi. Hop. Voilà, nickel. On est presque à fond. On va arrêter les conneries un peu, hein. Regardez-moi ce que je fais. Je fais ça. Je fais ça. Allez, vas-y, casse-toi. J'essaie de toucher, mais enfin bon. Ta gueule. Nickel. Ah, ils sont pitoyables. Bon. Allez, salut les mioches. Allez, hop, on utilise la clé. Et puis on se barre. Ok, nickel, nickel. Non mais il y en a un là, voilà. Ok. Bon. Alors normalement... Non, c'est pas ici. Ah, je sais plus. Non, je crois que c'est à la fin de toute façon. Ok. Hop, fais attention. Alors par contre, il y a les bêtes qui vont bien nous gêner. Ok, c'est fait. Salope. Nickel.
Non. Je vais vous montrer un truc que j'ai découvert. Je sais pas si vous connaissez. Déjà, on va tuer, voilà, cette connasse. Ouais, mais je crois que c'est à tout à la fin, donc je peux pas vous montrer maintenant, putain. C'est trop long, c'est trop long. Ok, nickel. Je regarde un petit truc. Bon. Merci pour la balle de pistolet. J'ai découvert ça, en fait, sans vraiment faire exprès, donc... Bon, je vous montrerai, normalement, c'est vers la fin, je crois, de la mine. Merde. Ok, bah c'est nickel, ça. Ouais, fallait y penser à ça. ouais, donc ce qu'on va faire... Voilà. Ok, hop, on casse ça. Voilà, donc normalement, je crois que là, on est direct au train. Ouais, on est direct au train. Bon, c'est après le train, j'ai un truc à vous montrer. Pour l'instant, je peux pas parce que bah, je peux pas aller plus vite que ça. Ok. Bon. Là, tu peux pas activer là. Obligé d'être dans le train. Ça. Alors, du coup. Oh. Ouais, c'est nickel. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Oh merde. Putain, ça c'est dégueulasse. Vas-y, mais putain, c'est pas possible là. Vas-y, l'autre qui va encore me taper. Mais ils sont sérieux ou quoi là? Putain, c'est du troll ça. Allez, mais ouais, carrément. Putain, mais nique ta mère, la prochaine fois ça sera quoi là? C'est quoi, je peux même pas te jouer, vous m'avez saoulé. Merde, vas-y. Ah putain! Oh, ça va me saouler, chien! C'est quoi, ils vont pas me saouler longtemps. Non, mais c'est bon, oh, il y en a marre un moment. Allez, hop, c'est bon, ça c'est fait. Oh non, mais bon, j'ai fait de la merde, c'est ce que je te dis. Non, faut régler les histoires par les moyens qu'on a. Voilà. Putain, mais t'es sérieux là? Tout ce qu'il me fallait pas quoi. Voilà, alors là par contre, il va falloir sortir le magnum. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir ça. Ce sera déjà ça. Ok, nickel. Magnum. Bon, tu sais quoi, avant je vais... Ah, je sais pas. Attends. Mais putain, mais c'est chiant. On va faire, déjà ce qu'on va faire, c'est ça. Parce qu'il me gêne. Voilà, nickel. Non, mais autant utiliser un moment le magnum quand même, hein. Sinon ça sert à rien. Ben voilà, nickel, c'est bon ça, non? On se fait plaisir, voilà, avec le petit magnum et tout. Et ben voilà. C'est pas bon ça ou c'est bon? Bah, ben, c'est carrément bon. Ok, nickel. Hop. Pourquoi? Ah mince. Ouais, il est pas encore mort l'autre là? Ouais, t'es sérieux? Hein? Hein? Quoi? Mais le mec, il est devant moi? Putain de magnum dans sa gueule, il... Mais nique ta mère! Mais c'est un truc de fou! Le mec, il est devant moi. Vous êtes témoin! Je fous un putain de coup de magnum dans la gueule! Le mec, il a rien! Et je suis désolé, mais alors là, mais putain... Mais ce jeu, mais en fait, tous les jeux me cassent les couilles. Y a aucun jeu qui est bien, tu sais. Les seuls jeux qui sont bien, c'est les jeux de cartes, les jeux de machin. T'es là, tu poses ta carte et tout... Putain, je sais pas quoi. Non, même le jeu de cartes, c'est de la merde, j'aime pas ça. Mais bon, il y a quoi comme jeu qui pourrait être bien? Vas-y, mais... Oh, mais tu tires dessus, oui. Vas-y, mais... Ça tire même pas dessus, mais nique ta mère, mais... C'est quoi, vous, mais... Bah, c'est quoi? Mais non, mais pas X. Oh, putain, nique ta mère. Oh, mais il est pas fluide, ce jeu, mais regardez, c'est moi ça, mais regarde ça. T'appuies sur une touche, là, et ça fait n'importe quoi. Il est pas fluide. Vas-y. Oh, mais tire-lui dessus, là.
Mais ça fait trop de la merde, mais ça m'a saoulé. Ouais, c'est limite, j'y pense toutes mes balles là, ça m'a saoulé. Oh, arrête tes conneries, toi. Pas me saouler longtemps. Bon. Putain, mais allez, trop vite, on a à peine le... Ouais. Oh, mais c'est quoi ce truc là, ton machin, il fait genre, il fait la danse et tout là. Wow, 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 wow. Putain, wow. Je sais pas, tu vises le mec, tu bouges plus et pam, tu tires. Tu fais pas des tours de cercle, je sais pas quoi, on n'est pas en géométrie, tu sais. Putain. Non, mais y'en a marre, wow. Vas-y, bah, allez, tape-moi. Mais t'as qu'à me tuer, carrément, hein. Voilà, bah oui, allez. Voilà, ça me suffit pas, de toute façon. Moi, il me faut aussi des grosses têtes de merde comme ça. C'est parfait, voilà, histoire de rendre les choses encore plus compliquées et plus chiantes. C'est ce qu'il me fallait, tu vois. Putain, j'en ai marre, wow. Putain, je contrôle rien là sur ce putain de wagon de mes deux là. Il y a que ça que je contrôle, voilà. Waouh, génial. Ouais, pas moyen de. Mais putain, tu lui tires dessus, oui. Vas-y, nique ta race. Okay. Comme tout à l'heure, voilà, on va recommencer. Attends. Ce qu'on va faire avant, quand même, on va utiliser ça. Sinon, on va crever. Voilà, nickel, ok. Cette fois, on fait pas de la merde. Il est où? Ok. Mais putain, casse-toi! Ok, nickel. Ouais, je pouvais éviter de me faire chier. Nickel. Voilà. Juste, il est où? Il est là. Et bah, il dégage. Ok. Quoi? L'autre avec un magnum, il est même pas mort? Ok, c'est bon. Puis j'attends l'autre. Ok, nickel. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même utiliser ça. Voilà. Parce que sinon, ça va être trop chiant. Hein. Ok, alors juste, je vais te barrer. Merci. Voilà, nickel. Bon, ça se passe déjà mieux là. Pas de camé, mon petit gars. Hein. Wow. Non, mais attends, c'est quoi ça? Bam, tu dégages. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Allez! Putain, j'ai cru qu'il allait jamais le faire, tu sais. Hallucinant, ça. Bah voilà, bah là on est bien, là. On est bien, on est pas bien. On est carrément bien. Bah voilà, c'est ça que je voulais faire, moi, putain. Ça faisait n'importe quoi là. Pourquoi j'ai rechargé moi? Pourquoi j'ai rechargé? Mais pourquoi j'ai rechargé? Mais stoppé quoi. Bon, c'est pas grave. On va utiliser les balles de toute façon. Alors juste, ouais, fusil à pompe, je vais prendre quand même. Alors toi, si tu pouvais. Voilà. Non, les balles, les balles, les balles. Putain, trop con. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très très grave. Alors là, juste, ouais, attends, on va se mettre devant. Parce que sinon, ça va être chiant. Quoi. Ils vont pouvoir nous tirer dessus et tout. Eh merde, on s'est loupé. Putain, je suis à côté comme une merde là. Casse-toi. Merde, putain, eh, j'ai appuyé. Putain, moi j'étais. J'étais concentré à vouloir prendre ça là. Ah, mais ouais, j'avais oublié. Ah ça par contre j'avais oublié. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait qu'il y en avait deux. Je me disais, mais il y en a deux. J'ai l'impression qu'il y en a deux, tu vois. Et en fait, ouais, il y en a deux. Ok, j'avais complètement oublié qu'il y en avait deux. Bon. Ok, alors juste. Voilà, parce que bah c'est chiant quoi. J'ai pas trop envie de me faire tuer. Donc. Alors je sais pas ce que tu fais toi. Tu dois contempler le paysage, je sais pas trop quoi. Attends, tu peux pas me dire qu'il est mort quand même aussi facilement. Ah merde, non, j'ai eu peur, tu sais. Vas-y, merde, il est mort aussi facilement, t'sais. Alors juste, si tu pouvais éviter de me faire chier. Oh, de quoi ça tire là-haut, là? Je sais pas où, là, putain. Oh là là, ce jeu me saoule. Alors juste, on va utiliser... Ouais, non, tu sais quoi, on va utiliser le pistolet. Je sais ce que je vais faire. Mais putain! What? Oh, la chatte! J'ai eu de la chance. Ouais, non, en fait, je sais pas ce que je vais faire. Ouais.
Ouais, là c'est la merde. Là on peut se le dire, c'est la merde. Non, putain, j'en étais sûr. Mais si, je vais avoir le temps. Et en fait, non, pas du tout. Putain. Bah, eux, je vais devoir les tuer. Mais non, mais recharge pas! Mais il est con ce mec! Mais il est con, putain! Mais pourquoi il recharge? Vas-y, mais il est sérieux là! Allez, je peux prendre celui qui est par terre là! Voilà! Ah, du coup, je peux y aller? Ah non. Sérieux quoi! Même pas, j'ai pu recharger. Ok, vas-y, monte. Putain, fais chier, j'ai fait que de la merde. J'ai pas réussi à avoir les 10 000, j'ai pas réussi... Enfin, j'ai rechargé comme un con. Oh là là, mais je fais n'importe quoi. Bon. Du coup, je vais attendre. On va récupérer ça, déjà. Voilà. Oui, ça, on s'en fout. Ok, donc, ce que, en fait, je voulais vous montrer, c'est que j'ai découvert un moment, dans un coin, qui avait, bon, pas beaucoup de sous, mais qui avait quand même pas mal de sous, hein, quelques milliers. Donc, du coup, ça peut être relativement pas mal. Donc, je crois que c'est dans le coin, là-bas, je crois. Je vais regarder, quand même, dans chaque coin. Okay. Je crois que c'est dans lui, là, que j'avais vu. Voilà, c'est ici. Putain, à un moment, j'ai vu ça. Pourtant, il n'y a rien par terre. Hein. Franchement, il n'y a que dalle. Après, est-ce que c'est un bug? Ça, je sais pas. Mais en attendant, si on se met bien, voilà. Donc, ça fait quand même pas mal de... Ça fait quand même un peu de sous, quoi. C'est un petit truc comme ça. Ça te fait 2-3 000 sous, quoi. Voilà, bah c'est nickel, non? Voilà, donc je vous ai peut-être appris un truc, je sais pas. Peut-être. Peut-être pas. En attendant, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, bon, mais rien, ok. Donc du coup, on monte en haut. Et puis, je crois qu'on finit le chapitre. Je me rappelle bien. On finit le chapitre. Alors toi, t'es comme un con en fait, au milieu de nulle part, à attendre... Putain, tu m'as saoulé. Non mais c'est bon, oh, tu m'as saoulé, tu sais. Le mec il m'a saoulé, je fais allez c'est bon, je sors le pistolet, bam, j'ai niqué direct. Un message dit offre. Ouais, ça, je m'en fous, tu sais. Voilà, nickel. Qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est un sacrifice qu'il y a dessus ou quoi? Putain, on voit même pas ce qu'il y a dessus. Bon. Alors normalement ça finit, normalement, hein, mais avec moi c'est jamais sûr, tu vois. Ok, bah c'est bien ce qui me semblait. Ah, chapitre suivant, le 4-4. On va rouler et tout là, mais on va rouler et tout, on va aller jusqu'à Lille en 4-4, enfin, voilà. Du coup, on sauvegarde, et puis on verra le 4-4 pour la prochaine fois. Ouais. Ouais, bon, bah on a fini le 4-3. Je vais vous montrer quand même un peu ce que ça donne. Donc, je pensais qu'ici, il y avait... Enfin, je pensais. Je voulais garder les balles, mais au final, je vais avoir besoin du pistolet ici. Donc, c'est pas très grave que j'ai rechargé le pistolet. Donc, voilà. Donc, du coup, hop, attends. Voilà, bon, il n'y a rien du tout, génial. Ok. Donc du coup, en fait, ce qu'on va devoir faire la prochaine fois... Non, toi, je m'en fous. Est-ce qu'on va devoir essayer de s'échapper? Seulement en essayant de s'échapper, ces bandes de bouffons, qu'est-ce qu'ils font? Ils activent les leviers. Et du coup, on a le démon. Et donc du coup, grâce à ce gros bonhomme-là, on va devoir monter sur différentes plateformes pour pouvoir activer les leviers. Donc il y en a un qui est là. Donc en allant sur cette plateforme, tu descends en bas, nanana. Et puis il y en a un qui est tout en haut, là. Voilà, qui est tout là-haut. Et donc du coup, on fera ça la prochaine fois. Donc, bah, j'espère que ça vous aura plu. Ah, donc, on va le faire tomber, voilà. Bam. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé le chapitre. Chapitre 4-3, je le rappelle. Au cas où vous l'ayez oublié. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé. Puis du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Hein? Bah ouais. Donc du coup, bah... Attendez, regardez. Pouf. Attendez. Ah merde, putain, il est tombé en bas, dommage. Voilà, donc je vous dis une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis ciao. Allez, ciao tout le monde.
Monster.